Bon, et bien aujourd'hui samedi, on part pour les lacs de Treistaina. 500 mètres de dé. Je vais expliquer les trois possibilités. Ouais. Avec guide, sans guide. Et sans guide. C'est Jean-Paul qui... Le plus facile, c'est peut-être se promener sur la... Parce qu'il y a des passages. C'est pas dangereux, c'est pas étroit comme ça qu'il faut passer accroché à la rocher tout ça, non. Mais il y a quelques broches inclinées qu'il faut passer aussi. Et parfois, il y a vu 250 mètres, 450. C'est vertical. Ouais, ça va bien là. Allez, c'est parti mon kick. Derrière là-bas. On va descendre déjà vers le grand évêque qui est au fond. Là, on va remonter un petit peu vers là où il y a la petite cascade et on va descendre. Alors, avec vertigineux, ça nous fait. Allez, le départ du groupe des courageux. Oui, oui, pas de problème, je suis avec toi. Oui, oui, oui. C'est la Portella et c'est ce qu'a fait le sommet avec nous. Avant-hier. On a aussi la vue sur le pic de la Palacerrera qu'on a fait le deuxième jour. C'est là au fond, là, il y a la crête là. C'est pas beaucoup de différence, sinon 3 de moins. Ah, ils le font faire en bas, ils se font là qu'avec quand même. Ha 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 ha!
Ainsi qu'en haut, en haut. De ce col. Foulou. Pour arriver jusqu'à une plateforme où on a une magnifique vue sur tous ces lacs. Bob qui regarde sa petite Nicole au loin. Alors, le groupe est en bas, le premier groupe. C'est pas forcément le nôtre. Hein. Oh non, c'est pas que c'est difficile en vrai, mais c'est que c'est vertigineux. Il y en a de toutes les couleurs. Là, il y a vraiment un passage délicat, hein. Vraiment délicat. Oui, mais parce qu'au mouton, on dort la coupe. Ah bon? En France. Oui, mais enfin bon. Parce que ceux du Maroc, ils ont une coupe parce qu'en France. Moi, c'est pas le vertige. C'est que c'est difficile, très difficile. Donc c'est vrai qu'il y a des passages très difficiles. Il nous encourage, c'est bien.
Bah écoute, on bosse. Bah, ben on en a fait d'escalade ce matin. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. C'est sûr. Allez, bon. Nous sommes à 2550 mètres. Je sais pas où on est parti, mais on y est parti. On y va. Bien compliqué.
d'affaires. Là où on a passé ce matin, dans ce pierrier, on aperçoit le sentier. On a passé au-dessus. Là-dedans, là. Encore là-dedans. Et au-dessus. Et là, le fameux névé où on est descendu sur les fesses. Et voilà, on tourne notre sentier. Encore un passage délicat. Et on est redescendu. On a passé ce matin et il y a d'autres personnes qui sont en train de passer les passages difficiles. Chemin de retour.
la patronne d'Andorre qui se fait la diada, la journée de la patronne tous les 8 septembre. La salle de partie historique, que vous avez sur droite, après on va passer à gauche à la moderne. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Architecture Ricardo Bofill.